Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, attention, un tour vraiment exceptionnel. Totalement automatique, très simple à faire, mais vraiment avec un effet vraiment énorme à la fin. Un climax exceptionnel, tout peut être laissé à l'examen. Bref, je vous laisse comme d'habitude avec la démo. Et ceux qui voudront apprendre le tour pour connaître le secret et pouvoir le refaire, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Également, vous retrouverez les liens pour souscrire à Tuto Magie Premium pour avoir accès justement à cette vidéo. Et également aux réseaux sociaux avec Facebook, Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie par avance de souscrire à Tuto Magie Premium, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me soutient énormément. Alors un grand merci. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous pensez de ce tour. Vraiment, ça me fait plaisir toujours de lire des commentaires. J'y réponds à chaque fois, je les lis. Donc voilà, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et avant de commencer, je vous montre ici, j'ai une carte dans un verre tout simplement, afin que je puisse pas la manipuler, pas tricher ni rien. On va la laisser de côté, on la verra, vous la voyez toujours, on la laisse dans le champ, histoire que je puisse pas la toucher, qu'elle soit bien en vue. Et j'ai également un jeu de cartes, de 52 cartes, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le jeu de cartes sur la table, et normalement je demande à un spectateur de couper un petit paquet de cartes, donc voilà, celui de son choix, donc il coupe un petit paquet, imaginons comme ceci, il prend les cartes dans les mains, moi je ne les regarde pas, il peut même les mettre entre ses mains ou dans son dos, je peux pas connaître le nombre de cartes qu'il a coupé. Et en fait l'idée du tour c'est de connaître, de deviner le nombre de cartes que le spectateur a coupé. Alors que chose qui est impossible parce que moi j'aurais pu être tourné. Hein. Alors là deux possibilités s'offrent à moi. Soit je prends ce paquet et je compte le nombre de cartes que j'ai. Et du coup par exemple ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et deux cartes ça fait 30. 10, 20, 30 et j'en avais 2, ça fait 32. Et de là, on prend le nombre de cartes 52, on soustrait 32, ça nous donnera le nombre de cartes que le spectateur a dans les mains. Bien entendu, là, rien de magique là-dedans, on est d'accord. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va demander au spectateur de prendre ses cartes et de prendre connaissance du nombre de cartes en main. On vérifiera si ça correspond quand même, si en même temps si le jeu est vraiment complet. Donc il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 cartes. Donc le spectateur a coupé 20 cartes. On est d'accord que ce nombre est totalement aléatoire et dépend de la coupe du spectateur. Il aurait pu couper moins de cartes, plus de cartes, etc. Donc ce nombre, on ne pouvait pas le connaître. Moi-même, je ne pouvais pas le connaître, le nombre 20. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre le nombre 20, le nombre de cartes qu'a le spectateur, et voir et prendre connaissance de la 20e carte de ce paquet. Donc le nombre qui correspond au nombre de cartes du spectateur, dans ce paquet, quelle est la carte dont on tombe dessus. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, on tombe sur une carte, on est bien d'accord que c'est une carte totalement aléatoire. On ne pouvait pas savoir quelle était cette carte puisque elle dépend en fait du choix aléatoire de la coupe du spectateur. Vraiment, c'est une carte random comme on dirait. Hein. Donc on va quand même regarder et là on tombe sur la dame de pique. Très bien. Souvenez-vous, au départ, avant de commencer le tour, avant que le spectateur coupe, j'avais mis ici une carte prédiction dans un verre. Alors je vais la sortir tout doucement, vraiment, histoire que je ne puisse pas tricher. Vraiment, on l'a mis dans le verre pour l'isoler. Hein. Le spectateur, via sa coupe, est tombé sur la dame de pique, nombre qui correspond à la carte qui était dans l'autre paquet. Et vraiment, c'est un choix vraiment aléatoire. Hein. Dame de pique, si on vérifie, ça serait fort là quand même, que la carte soit la dame de pique. Ça match parfaitement. La carte choisie aléatoirement match avec la prédiction. Alors là, deux solutions. Hein. Vous allez me dire, ben ouais, c'est possible qu'en fait, dans le paquet, t'as que des dames de pique, que des cartes identiques. Eh ben oui, en réalité, j'ai que des cartes identiques dans le jeu. Mais en fait, j'ai pas que des cartes identiques de dames de pique. En fait, j'ai que des cartes identiques entièrement blanches. Et bien sûr, là, ce qui est très très fort, c'est que tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a rien de truqué, tout peut être laissé à l'examen. Le spectateur, les cartes, tout. On peut tout regarder et là, on a vraiment un miracle d'effet. C'est un effet killer et je pense que vous allez adorer.